Ah, je connais bien la présidente. Pour lancer la bravade, on va commencer. Allez, je vous la raconte vite fait. Ça fait 4 pas en avant pour démarrer. Et 1, 2, 3, 4. Et après, on va s'écarter à l'inverse de la jambe loise, puis se rapprocher. Après, on va refaire 4 pas en avant. Je viens de vous les faciliter. Ça fait 1, et 2, et 3, et 4. Et après, les garçons vont faire deux trucs en même temps. Ils vont changer de place avec leur partenaire, et en même temps, ils vont la faire passer sous le bras. Alors, il y a plusieurs manières de faire, elles sont toutes bonnes. Et donc, comme vous avez changé de place, vous avez gardé la même main, vous regardez dans l'autre sens, et c'est normal. Donc, tout le monde regarde dans l'autre sens, les garçons sont passés à l'extérieur. Et les garçons, pour tout faire deux choses en même temps, c'est pas évident. Voilà. Alors, quelle que soit la manière dont vous y arrivez, la visière. On va faire la même chose dans l'autre sens. Dans l'autre sens, c'est parti. Et 1, et 2, et 3, et 4, on s'écarte. Hop, on se rapproche. Paf. Et en avant, 1, 2, 3, 4. Deuxième chance, tour de magie, les garçons, vous changez de place. Sauf qu'à la fin de celui-là, et là je ne veux pas savoir comment vous faites, vous finissez en position de galop. C'est-à-dire que vous prenez par la taille, par la main, avec le poing brandi vers l'avant. L'avant, ça va être vers le centre du cercle. Et maintenant, vous êtes tous en position, vous êtes bien serrés, vous êtes encore plus serrés, vous allez faire 3 vaches assez vers le centre et un paye. Et 1, 2, 3, paye. Après, on revient à sa place à vache assez. Et après, c'est de la polka. Et la polka en tournant et en faisant avancer le cercle, autant possible. Voilà. Donc, on voit. On refait ça une fois vers le centre avec la musique et c'est parti. Et chasse, 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 hey. On revient à sa place, polka. Et là, la danse commence depuis le début.